s'il va arriver juste à mon âge déjà, ouais. Bon allez, on est sur le parking du départ de la sortie. On a réussi à se désincarcérer du lit. Ça faisait deux week-ends que j'ai pas roulé. Je l'ai pas dit, mais c'est pas bien. C'était les vacances. Donc voilà. Donc ce matin on est assidu, on a pris l'assiduité et puis c'est parti pour un petit tour. J'espère que ça va bien se passer. Un putain de impeccable. C'est une horreur ces galettes. Allez, on attaque le... On attaque la montée. J'arrive déjà pas à les couler. Comme vous pouvez le voir, ben, en termes de gains malgré les sorties, rien du tout. J'ai toujours autant de mal. Enfin, ça c'est pas bien grave. Un jour, ça reviendra peut-être. De toute façon, je sais pas vous, mais moi en ce moment encore extrêmement fatigué. D'ailleurs ce matin, je me suis vraiment fait violence pour sortir du lit. Parce qu'il n'y a pas le choix. Comme fin mai normalement, en fin week-end de 3 jours VTT, je le redoute. À la fois je sais que je vais m'amuser, mais 3 jours de VTT d'affilée, à mon avis, dans mon état là, ça va être compliqué. Enfin on verra bien. Allez, on continue tranquille. Bon, on m'a toujours pas fait un tiers de la montée. J'ai complètement perdu les copains. Enfin, ils sont là-haut, ils vont venir me récupérer quand ils vont être à moitié de la montée. Mais je crois que je vais couper court. J'arrive pas, j'ai pas le mental. Plus pour lui. Enfin, on va voir. On va essayer d'aller au moins jusqu'au bout de celle-là. Allez, on est en haut. Les copains, ils sont là. C'est pas que je les ai rattrapés, c'est qu'ils sont venus me chercher. Bon allez, on récupère un petit peu sur la DFCI en descendant. Là. On va les rechoper et notre montée de l'autre côté. Pour l'instant ils m'encouragent, je voulais faire demi-tour, mais ils m'ont dit non, faut s'accrocher. Alors écoute, on va s'accrocher au vélo pour l'instant. Allez, ça monte toujours. Les copains, ils m'encerclent, ils m'encouragent. J'ai envie de me barrer discretos, mais bon, faut pas leur dire. Moi, je tiens à l'œil. Du coup, ils m'ont entouré pour pas que je m'échappe. Dans les dents. Garde le vélo. Le jour, tu gagnes 2000 euros par mois, tu as envie d'aller. Allez, première descente, on part au cul de Jean-Louis. L'homme qui chuchotait à l'oreille des plaquettes. Oh putain, les pentus, ça là, je l'aime pas ça là. C'est moi qui vais chuter. Ah, je préfère l'autre moi aussi. Ah ben comme. J'ai pas beaucoup parlé, je suis tellement fatigué que j'ai oublié de me concentrer à 2000. Oh putain. Ah. Oh, moi je continue par là. Je vous laisse remonter tranquille. Oh putain. Ah. Il me pète les glas, oui. Il m'oblige. Ah, ça glisse. Bon, du coup on descend par là. J'arrive pas. Ah, j'y arrive. Oh, je crois qu'il n'y en a plus. Oui. Oh putain, j'arrive plus à remonter.
ça y est. C'est parti, ouais, j'ai loupé la drive. Complet. Ah mais ça y est, on est à fond sur le vélo. Ça glisse les amis. Chute. Putain, faut arriver à reprendre en fait. Le conseil de Sébastien, c'est à gauche et à droite. Allez, avec un pied à la one again, ça passe. Ouais, ça peut tenter, ouais. Ouais, ça passe. Ça passe. Je vais essayer sur le vélo, mais je suis pas trop marrant. Allez, même les faiblesses, elles sont là. Allez, c'est reparti pour un tour. Et c'est fini. Ah, on a raté la chute de Jean-Louis. Ah, ouais. Raté, hein. Ah putain. Et t'es par terre. J'ai tordu la manette et tout là. Putain, fais chier. Mais j'ai glissé à Philippe Candelro. Rac. Ouais, j'ai fait un patinage artistique. J'ai fait double axel et voilà. Ah, bon, je me suis pas niqué les genoux cette fois-ci. Là, j'ai fait un petit peu, mais rien. J'ai dû engager. C'est pentu, mais il n'y a pas de trou de... Allez, on n'a pas attendu les autres. Je commence à partir tranquillou. Vu que j'avance pas un poil de cul. Bon, ouais, ils m'attendront un petit peu moins. Allez, après cette petite montée, on a droit à un petit peu de descente. Autant se faire plaisir et en profiter parce qu'après ça va monter un très très long moment. Et celle-là elle est bien sympa en plus. D'habitude on se la fait en montant. Putain, j'ai réussi à prendre un bout de terre. Il est passé entre la lunette et elle est dans l'œil. Pour le faire, sans déconner. Alors on va finir qu'avec un soleil. Tu vois, je préfère ce genre de descente qu'à la première, c'est moins pentu, même si c'est plus caillouteux, tu peux un petit peu plus piloter. Enfin, en tout cas pour moi, quoi. Perso, ah, je me régale mieux. Là, j'ai perdu un peu trop de vitesse, je suis trop freiné. Allez, on va s'arrêter là et on va filmer les copains. Ça n'a pas marché. Et bonjour. Allez, à la queue le dans les petites drailles. Là pour l'instant, c'est plat. Et après, ben, le calvaire va. On va commencer pour moi. Bon allez, on les regarde partir hein, tranquille. Puis moi je m'accroche. Je sais pas pour combien de montées on est parti là. Je pense au moins entre 4 et 6 km de montée. Bon poids parce qu'il faut qu'on arrive. On part de l'arboretum, mais il faut qu'on arrive aux Issambres. Donc là ça va faire. Que grimper, ça va être compliqué. Allez, deuxième partie
de la montée, là, on a fait les Issambres. Enfin, on va faire les Issambres, pardon. On a fait la première partie qui nous a amené à celle-là. Allez, la montée des Issambres, c'est terminé. Ça a été finalement, tranquillement, mais sûrement. Maintenant, je sais pas ce qu'on va faire. On devait prendre un single, mais vu qu'il vient de pleuvoir et que c'est tout trempé, je sais pas si on va pas écourter. On va voir. En tout cas, ça c'est fait. 30 km, 700 mètres de dénivelé. Crac, dans mes jambes. Bon voilà, du coup on a scindé en deux groupes là. Il y en a un qui a pris la petite draille et un deuxième qui a pris la DFCI. Comme il y avait des copains qui étaient un petit peu fatigués. Donc du coup bon, j'ai pas voulu les abandonner. J'ai fait ce qu'on appelle notre club du social vu qu'ils m'ont soutenu tout le long. Je me suis sacrifié, je suis pas allé sur le single et là je les accompagne. Je donnerai pas de nom par pudeur, enfin Enzo, Cyril, Fabien, voilà quoi, enfin non comme ça, merde j'ai dit des noms, enfin voilà quoi, c'est la solidarité quoi, voilà, c'est comme ça. Allez on est en haut, bon mais pas peu fier de moi, ça va, j'ai bien tenu, je suis content, il n'y a plus qu'à aller chercher la dernière descente maintenant. Allez go, dernière descente. Oh, encore une sortie de fête. Merci aux copains de m'avoir secoué un peu les puces au départ parce que j'aurais fait demi-tour. Hein. Et puis finalement sur la fin de sortie ça va mieux. C'est fou ça quand même. Hop, manche. Alors là je fais attention parce que je me rappelle plus haut, il y a un trou. Par là je crois. Puis ça glisse vachement, fais gaffe parce que là il y a un trao. Ouais, là. Hop. Il y a les rochers, ça glisse. Allez, pour ce fou. Putain, ça. Pah. Prendre en travers le rocher, c'est pas possible. Ça glisse trop. J'ai préféré assurer le coup. Parce que les rochers, ils glissent sans race là. Putain, ça glisse. Ah. Je verrai pas trop de vitesse. Hein. Désolé, mais j'essaye de rester en vie. Comme tu les prends de côté, les rochers, ils glissent vachement. Après, ça vient aussi peut-être de moi, de mon appréhension. C'est fait. C'est bon, c'est passé. Oh, putain, bravo, je me rappelais plus de trop. Allez, la dernière descente est terminée. Il n'y a plus qu'à filer quelques coups de pédale pour arriver aux voitures. Ah. Allez, continue à pédaler. On va arriver aux voitures. Tranquillement. Bon, mais sortie finie. On s'est fait à peu près 40 bornes, 800 mètres de dénivelé. Encore une fois, un grand merci aux copains parce que c'est eux qui me motivent à chaque fois
pour m'accrocher. Donc toujours au même rythme, doucement, mais jusqu'à la fin de la sortie. Ils m'attendent, donc bon, c'est super génial. Allez, je vous dis à une prochaine sortie. Ciao les amis.